Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, mais juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et le petit pouce bleu. Je vous invite à tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose et bien sûr bonne vidéo. Mais comme tu peux le voir, j'offre des cadeaux sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin, un planeur ou une emote, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, tu as juste à poser un petit pouce bleu et bien sûr tu dois mettre le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite #AD. Une fois que tu as fait tout ça, tu dois juste mettre ton pseudo EpicGamesPS4 dans l'espace commentaire. Et bien sûr, une fois que tu l'auras commenté, je mettrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si tu as gagné ou pas un petit cadeau dans la boutique Fortnite. C'était FinTech. Je te souhaite une bonne chance, c'est une bonne vidéo. Eh bien, salut tout le monde, c'est FinTech, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour me faire vraiment super bien, comme vous avez vu au titre en miniature de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Et comme d'habitude, on n'oublie pas de tous entrer le code créateur FinTechSBE dans la boutique Fortnite, #AD, cela me fera vraiment super plaisir. Comme vous avez vu au titre, aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter une toute nouvelle map pour obtenir des V-Bucks et de l'XP et d'autres items gratuitement. Alors comme d'habitude, on va tout simplement se rendre juste ici dans le code de l'île, et là vous allez rentrer exactement le même code de l'île qui sera affiché sur la vidéo. Là c'est vraiment super simple. Là vous allez cliquer ici sur jouer, vous allez vous mettre en partie privée, on lance directement la partie. Une fois arrivé sur la map, ce qu'on fait, on la lance directement. Voilà, on attend un petit décompte de quelques secondes et là tout simplement on se retrouve sur le jeu. Alors on doit se rendre au taco si on doit parler avec John ici. Alors le taco, si se trouve où? Magasin de tacos, il se trouve à l'extérieur j'imagine. Ah oui, du coup juste ici c'est écrit en grand tacos salsa slap. Et donc ce qu'on va faire, on va directement se rendre chez John ici. Il est où? Ah ok, il est tout au fond là. On devra commander un menu. Non, ok, du coup on talk, on parle avec lui. On doit chercher un bunker de Grizzly. On doit l'avoir avec le major pour avoir des munitions, c'est ce que j'ai compris. Alors on doit ouvrir la boîte des munitions. Ok, on a des munitions là. Et là on parle avec ici le major. On doit se rendre au sous-sol. Ok, on va se rendre juste ici au sous-sol. Ça fait un peu flipper par contre. Ok, alors ici il y a des indications, un petit bouton secret. On interagit avec le petit bouton secret juste ici. Ok, ok, là ça nous ramène dans un endroit assez spécial. Ok, du coup le bunker de ce qui parlait c'était juste ici. Jet and Signs, on va rentrer directement dedans. Ok, what the fuck, on rentre où là? Ah ouais. Il faut faire quoi pour débloquer la pièce? Je vais faire une petite émote. Ok, c'est bon, on va faire une émote. Et là, on a simplement des V-Bucks gratuitement. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'XP, des couronnes gratuitement. Et des Wolverine Clean. Alors nous, ce qu'on va faire, le plus intéressant, c'est de prendre énormément de V-Bucks. Alors j'imagine que ça met 13 500 ou sinon. Alors you V-Bucks, ça va déposer sur mon compte d'ici 3 jours. Ok, super. On prend aussi également de l'XP. Voilà. Ok, j'ai aussi obtenu de l'XP et des couronnes. Alors les couronnes, ce qui nous intéresse le plus. Ok, du coup j'ai aussi obtenu des couronnes. Donc ce qu'on va faire, comme on est des gourmands, on prend plusieurs fois des V-Bucks. Ok, du coup là je devrais attendre 3 jours pour obtenir mes V-Bucks. Et ici on va faire pour obtenir les Wolverine Clean. Alors on interagit avec le bouton. Alors ok, on doit les obtenir sur nous. Pour l'instant j'ai rien obtenu. Alors ici il y a une grande épée, je sais pas ce qu'il y a derrière. Mais bon, le plus important c'était d'obtenir les V-Bucks. Alors ce qu'on va faire, on va se rendre à l'accueil pour voir si on a obtenu un truc ou pas. Ok, je clique encore sur les couronnes pour bien obtenir plusieurs fois des couronnes. Ok, du coup là on retourne à l'accueil. On retourne au salon. Et là, une fois de retour au salon, comme on peut le voir, j'ai obtenu des couronnes gratuitement sans rien faire. Voilà, j'avais juste à cliquer sur le bouton pour obtenir les couronnes. Alors, comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube pour être au courant si j'ai obtenu mes V-Bucks ou pas. Si le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. Si la vidéo vous plaît, on n'oublie pas le petit pouce bleu. C'était FinTech. Allez, ciao tout le monde.